Coucou et recoucou tout le monde, j'espère que vous êtes toujours tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Alors j'ai retrouvé le HHH de Noé. J'ai retrouvé le HHH. Et donc je mettrai une photo sur la communauté dès que je vais, dès que là, après la vidéo là. Parce que je ne l'avais pas en ma possession. C'est pour ça que je cherchais, je ne trouvais pas. Hein. J'avais le numéro, il avait eu un numéro d'attribué, mais je l'ai pas à la maison là, enfin chez moi quoi. Il n'est pas accroché derrière moi, c'est pour ça que j'ai cherché pendant des jours et des jours. Ça fait des jours que je cherche depuis le 15 juillet. Hein. Et alors je me dis c'est quand même bizarre, la peau disparue. Hein, disparue, Nina disparue, et jamais revue. Donc voilà, hein, c'est pour ça. Ou alors tu me l'as envoyé, je l'ai jamais reçu. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas ici, mais c'est pas grave, je vais mettre la photo. Voilà. Et je l'ai mis sur le compte des scrappeurs du cœur. Bah si. Donc voilà, voilà. Et par contre, ce serait bien que tu répondes au message, hein, Noé, si tu veux recevoir des choses. Je t'ai envoyé un message. Bah, je te parle là parce que je ne sais pas si tu es peut-être en vacances et c'est pour ça se trouve. Ça se trouve que tu es parti au bord de la mer et tout ça. Tu es en vacances ou à la montagne ou je ne sais pas moi, ou à la campagne. Et tu regardes pas tes messages encore. Donc c'est juste pour te dire que y a beaucoup de gens qui essayent de te joindre pour t'envoyer des choses. Et alors, eh bien, on attend ta réponse. On attend de tes nouvelles, Noé. Voilà. Hein. On espère que tu vas bien. Voilà. Donc je vais ouvrir le courrier. On se retrouve. C'est le courrier du cœur parce que j'ai du courrier du cœur. Alors j'ai trois courriers. Non, enfin c'est pas des courriers, c'est des colis et tout ça. Et alors donc, pour ce faire, nous allons ouvrir ensemble, si cela vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir de partager avec vous mes courriers, puisque c'est du partage, évidemment, c'est du partage. Évidemment. Alors, donc on s'est quitté là, on s'est quitté, je sais pas, j'avais un train de retard. Ouais, oh, il y en a une qui m'a dit, t'as des trains de retard, mais t'as des cartons d'avance. On a ce qu'on peut, vous savez. Alors donc, regardez, j'ai récupéré des cartons, j'ai plus qu'à les remplir. Alors je vais me dépêcher d'ouvrir le courrier pour commencer à continuer à remplir mes cartons. Vous voyez, ils sont là, ils sont ouverts mais ils sont vides. Non, il faut que je les remplisse. Voilà. Si. Alors donc, on va pas trop tarder. Donc on s'est quitté avec le sketch. J'espère qu'il vous plaît. Ah mince, attendez, je suis paumée. Hein, c'était ce sketch-là, comme ça, et là, voilà, c'est ça. Hein. C'est très joli, c'est magnifique. Non, mais c'est comme ça, je vous ai montré. Hein, quand je fais des sketchs comme ça aussi, j'aime bien vous montrer des petites techniques, hein, comme l'embossage à froid, là, à l'envers, avec les rainurages et tout ça. Et qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? C'est tout. C'est tout. Donc, voilà, voilà. J'ai déjà préparé une carte pour la rentrée des classes. Ah, si? On est déjà le. C'est bientôt la rentrée, hein. Va falloir y penser. Hein. Donc j'ai préparé un style de carte pour la rentrée des classes. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, mais c'est pas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, non, là, après le courrier, Ah ben non. Alors donc on y va, c'est parti, mon kiki, mon kiki, mon kiki. Le kiki de tous les kikis. Voilà. Je sais pas par. Je prends au hasard, au hasard. Je sais pas ce que c'est, mais ça pèse une tonne. Hein. Voilà. Enfin, une tonne, c'est peut-être exagéré, une demi-tonne, quoi. C'est énorme, c'est chaud. Oui, c'est chaud, il fait chaud, oui, c'est vrai. Tiens, je vais mettre mon petit ventilateur. Non, mais je vais mettre mon petit ventilateur à la vitesse 1 pour pas vous embêter avec le bruit. Hop, mais alors, moi, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Hein. Je transpire, j'ai les pieds, les mains moites et les pieds poites. Hein. Alors, donc, ça me vient de, je sais plus, Frédéric. Frédéric, Frédéric. Bah allez, on y va. Hein. Il y a marqué dessus. Hein. Eh bien, nous allons ouvrir par le dessus. Hein. Je l'ai reçu. Bah pas. J'en sais rien. Je sais pas. Je me rappelle plus. Non, peut-être aujourd'hui. Je ne sais plus. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, nous allons ouvrir ceci, cela. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Hein. Moi, ça me tue. Hein, parce que le boulot, c'est vrai, quand on bosse et tout ça. Bon, moi, je suis crevée. Hein, je suis crevée, crevée, crevée. Hein. C'est quoi tout ça? Oh là, c'est quoi tout ça? Oh, c'est une folle. Hein. C'est quoi tout ça? J'ai peur. Hein. Oh, c'est trop. Mais c'est trop. Alors, attendez. Attendez, je sors tout là. C'est pour que. Parce que le carton, vous voyez, une fois déplié, ça fait joli. Hein, ça fait une boîte à explosion. Si, ça fait une boîte à explosion. Hein. Alors ça explose de cadeaux là-dedans et je vois des choses que j'adore évidemment.
Mais t'es folle. Oh non, moi je ne sais pas ce que je vais faire de vous. Hein. Il y a du papier bulle. C'est bien emballé dans du papier bulle. Et je vois ma petite Frida Kahlo. Oh là là, qu'elle est belle. Mais que c'est beau. Mais qu'elle est belle. Oh, que c'est beau, ça. Elle est belle, cette image. Oh, c'est trop joli. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, c'est trop joli. Il y a un mot derrière. Je vous montre déjà. Regardez comme elle est belle. Et en plus, elle est juste très contente. C'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Hein. Je vais les encadrer. Bon, pas maintenant. Enfin, je sais pas. Si j'ai le temps. Si je peux. Hein, parce que je continue mes cartons. Si c'est encadré maintenant, j'aurais plus besoin de le faire après. Et comme son mot, il est derrière, j'aurai son mot dans le cadre. Hein. C'est super. Hein. Ben, si, j'ai le droit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, moi aussi j'écris trop mal. Ah ouais, c'est trop bien ça. C'est trop bien ça. Mais ça c'est merveilleux. Je baille, je baille, je baille, je baille. Je fais la carpe. Ah ouais? Ah, c'est bien ça. Elle fait partie d'une association qui s'appelle l'Atelier des cousines. Si? Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin Germain. On m'a dit que vous m'aimiez. Eh, c'est bien la vérité. Je suis. C'était comment déjà? Je suis marchand de pommes de terre. Non, c'était pas ça. C'était quoi les paroles? Non, mais attendez, parce qu'elle fait elle fait partie de l'Atelier des cousines. Hein. Et alors, je suis marchand de pommes de terre. Non? Bonjour mon cousin, bonjour ma cousine. Si, je suis nani je suis nanana, marchand. Je cherche les paroles, je cherche. C'est bien ça. Comment ça pourrit mes paroles? Mais n'importe quoi, hein, je viens d'en chanter une là, qui était magnifique, hein, marchand de pommes de terre, je sais plus quoi. Hein. Mais si, bah vous chanterez ça à votre atelier. Bonjour ma cousine, bonjour. On m'a dit que vous m'aimiez. Eh, c'est bien la vérité. Si? Alors, mes paroles ne sont pas pourries, attention, hein. Ouh là là. N'importe quoi. Hein. Ah, tout ce que je sens, c'est tellement merveilleux. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est merveilleux. Non, mais alors ça va pas du tout, ça. Merde de rien. Pourri. Ça me fait trop rire, par contre. Non, c'est tout gentil, 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 hein, mais t'es folle. Hein. Ça, tu lui laisses. Je vais y arracher ses boucles d'oreilles si elles sont trop belles, j'ai le droit. Hein. Il m'a dit qu'il y avait des boucles d'oreilles, c'est pour moi. Hein. Tu crois peut-être que je vais y laisser, mais ça va pas, non. Mais non, je vais en mettre qu'une. C'est très tendance de mettre une boucle d'oreille que d'un côté. Hein. Si, hein. Alors voilà, je vais faire ça, puis c'est tout. Hein. C'est trop gentil, hein. Ah, attends, je comprends pas. Oui, d'accord, oui. Ah, d'accord. Oh, c'est trop bien, hein. Alors, non, mais je commence par. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. Mais non, mais attendez, moi j'ai le droit de lui piquer ses boucles d'oreilles. Non, mais attends, j'ai tout à fait le droit. Regardez comme elle est belle. Non, je vais y laisser. Hein. Non, je vais y laisser. J'ai pas le droit d'y piquer. Hein. Mais elles sont trop belles. Hein. Elles m'iraient très bien. Je vais quand même. Tu me les prêtes? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Elle a dit qu'elle voulait pas me les prêter. Hein. Elle est pas très sympa. Hein. Je vais quand même y emprunter. Non, mais dis donc. Je te les rends. T'inquiète pas. J'ai le droit d'essayer. Non, mais dis donc. Je vais.
Ouais, bah, moi, si, j'ai le droit. Hein. Moi, je m'en fous, je prends une gauche. Alors, j'ai le droit. Hein. J'ai le droit d'y prêter. Bah, non, mais d'y emprunter si je lui rends. C'est un prêt. C'est un emprunt, je veux dire. C'est un emprunt. Si. Je suis sûre qu'elles me vont bien aussi, moi. Non, mais du si, moi, je suis sûre ça. Mexico, Mexico. Alila, lila, Mexico. Bon, je me regarde dans le miroir, j'avais le droit. Ouais, ça me va quand même. Ça va quand même mieux à Frida, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Si, ça lui va mieux à elle. Hein. Si. Ah, si. Elles sont très belles, hein. Elles sont très très belles. Hein. Magnifiques. Sublime, sublime, sublime. Elles me vont trop bien. Mais bon. Je vais lui rendre pour l'instant, mais je pense que je lui emprunterai. Hein. Bah, si, non, mais dis donc. C'est trop beau, hein. C'est magnifique. Hein. J'aime bien ta bordure, là. Elle a une perforatrice bordure comme ça qui fait des petits nœuds tout mignon mignon. Regardez, c'était tout mignon. Hein. Si, c'était tout mignon. Je te rends tes boucles d'oreilles, mais pas pour toujours. Hein. Peut-être je te les emprunterai hein, de temps en temps. Bah si, t'es ma copine. Hein. C'est ma copine. Oui, Frida, c'est ma copine. Elles sont superbes. Oh, c'est trop beau. Hein. Oh, elles sont trop magnifiques. Hein. Moi, je suis jalouse. Hein. C'est trop bien ce que tu as fait là. J'aime beaucoup l'idée de mettre des boucles d'oreilles aux affiches. Hein. On pourrait lui mettre un collier aussi. Puis des fleurs dans les cheveux, mais ça, il y en a une qui me l'avait fait, l'une d'entre vous qui m'avait fait ça. Et je l'ai mis sur la couverture du junk. Regardez comme c'est joli, c'est trop beau, elle est trop belle, elle est superbe la fille, j'adore. Oh, j'adore, j'adore. Ça aussi, je vais l'encadrer avec les boucles d'oreilles, je lui laisserai les boucles d'oreilles, tu sais. Et je ferai un encadrement en comment, avec un passe-partout là en 3D là, et ça fera super joli. Oh, c'est trop. T'es folle, mais t'es folle. Ohé, ohé, Mathélo. Alors, on a tout le. Si, on a tout le matricule. Alors, pour ce faire, le HHH, le OE, le T2L. Alors, bougez pas. Ça, je mets ça là. Et alors, allons-y gaiement. Si, allons-y gaiement. Pour ce faire, je vais prendre. Attendez, je prends un crayon tout neuf. Enfin, une page toute neuve. Parce que ça y est, c'est le Bins. Hein. Si, c'est le Bins. C'est le Bins. Alors, donc je vous présente un nouvel HHH qui est Frédéric. Alors, encore une Frédéric. Hein. Ça, c'est, il y a beaucoup de Frédéric aussi. Hein. Et alors, les Frédéric sont formidables. Regardez. Oh, il était tout mignon, le petit chat. Oh non, non, il était tout mignon. Si, il était tout mignon avec sa petite plume. Oh, c'est joli. C'est trop joli. Il est beau ton HHH. Magnifique. Elle a mis du gloss. Elle a mis du vernis à ongles. Hein. Si, hein, avec du glossy et tout le bastin. Elle a un vrai diam. Hein. Si, elle a un diam. Hein. Ah, elle a un diam, elle a tout ce qu'il faut, quoi. Et alors, Frédéric. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir d'elle? On peut savoir qu'elle est du 26 septembre. À marquer, on va être obligé de remettre à jour le calendrier des anniversaires. Non, mais parce qu'il y a des problèmes dans les anniversaires. Moi, dans mon machin, hein, ça se trouve. Dans mon drive, le truc que j'ai, moi, il n'est pas à jour. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Joli sourire. Il est très beau, il est très très beau. Hein. Alors, donc, Frédéric. Tu es le HHH, ça me gratte. HHH 263. On est ravis de te recevoir. T'as compris? Alors, HHH, hop, 263. 263, c'est trop joli, trop magnifique. Donc, je te pendrai avec tes copines. Hein. J'aime beaucoup le petit médaillon chaton là. Ouais, il était trop mignon. Hein. Joli sourire, a marqué quoi? C'était trop mignon. Hein. Moi aussi, je peux le faire ça maintenant. Et les écritures sur des rubans parce que Josette, elle m'a offert un truc comme ça. C'est super sympa. Je m'en suis pas encore. Si, je m'en suis servi pour faire des merci. Mais j'ai pas encore, m'en suis pas encore servi avec vous. M'en servirai, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est qui ça? Oh, c'est le Oe. Oh, c'est joli. Oh, c'est vachement bien ça. Regardez le Oe comme il est beau. Si, elle tend l'oreille avec sa main. Oh, j'adore. J'adore le principe. Et des chats. Oh, c'est tout mignon. J'aime bien, j'adore l'idée. Oh, c'est trop sympa. J'adore, j'adore, j'adore. Frédéric. Alors, Oe 14. Oe 14. Mais tu m'écoutes là. Je dis n'importe quoi. C'est pas du tout 14. C'est 51. Oe 51. Oe 51. Superbe. Je vais te mettre dans le carton. Ah si, je vous mets dans les cartons là. Il n'y a que les H, les H, les HHH que je garde jusqu'au bout. Je les défraie au dernier moment, quoi. Le plus dernier moment possible.
Mais toutes les autres choses, je les mets dans un carton tous ensemble, tous ensemble. C'est le bordel dans le carton. Hein. Ah si, vous êtes tous les uns sur les autres, je veux pas le savoir. Hein. Il y a des oreilles avec des langues, avec des pieds, des machins. Enfin bon, c'est le bin, ça, mais bon. Enfin, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le carton, vous avez compris. Donc, je te mettrai dans le carton avec tout le monde, hein, et puis vous ferez bien ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, et ça, c'est le T2L. Magnifique, hein. Donnez ta langue au chat, j'imagine, parce qu'il y a les chats, j'imagine. Hein. Et vous avez des piercings, c'est vrai? Pour de vrai ou pour de faux? Et puis, t'as les dents de comment qui s'appelle là? Vous savez, dans... Ça me fait trop rire, ça, j'adore. Comment ça s'appelle? Vous allez m'aider, oui, les visiteurs. Comment il s'appelle? Jacouille la fripouille. Jacouille la fripouille. C'est Jacouille la fripouille. Donnez sa langue au chat. Hein. Si. Alors, oh, c'est trop beau. Hein. Elle a mis du glossy aussi sur les lèvres. C'est très belle lèvre, très belle langue, hein. Très belle couleur. Hein. Une langue très saine, hein. Très saine. Alors, c'est n'importe quoi. T'sais. C'est très joli, hein, le chat. Alors, donc, donnez sa langue au chat. Hein. Au pluriel, hein. Avoir un chat dans la gorge. Ah, d'accord, avoir un chat dans la gorge. Ah oui, quand on ouvre, paf, ça c'est la gorge et le chat est dedans. Si, ah si. Hein. J'aime bien, t'as des jolies petites, bordures là, des petites perforatrices bordures qui sont très jolies. Hein. Le petit feuillage là, il est magnifique. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Alors donc, tu es le T2L, T2L 14. Alors je le note, hein, là. T2L 14. Hop, dans le carton et hop là. Si, tu iras dans le carton avec les autres et tu discutes pas. Non mais dis donc. Très bien, très très beau, très tout plein. Tiens, du papier bulle pour emballer mes trucs. Pour emballer tes trucs sûrement, pour remettre dans les cartons. Si, si. Allez, ça c'est bien. Alors, oh là là, mais t'es folle, mais il fallait pas. Oh là là. Oh là là. Ça c'est joli comme carte. Hein. Ouh là là, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est un belly band? Oui. Avec du machin, du truc quoi. Vous avez compris, de la ficelle quoi. Dans le style craft, un peu craft vintage, avec le cœur, le papillon et les marguerites. Hein. C'est trop mignon. Hein. Et ça s'ouvre comment? Oh, c'est bien. Oh, c'est bien ça. Si, une carte danse. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'ai jamais fait ça. Non, bah il y a tellement de trucs qu'on peut. C'est trop bien ça. J'aime beaucoup. Hein. Ah, si, c'est trop bien. Hein. J'aime bien ça, hein. Ça me plaît énormément. Hein. Regardez-moi ça, c'est joli. C'est trop beau ta petite carte album là. Trop beau, hein. C'est joli. Hein. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Elle a fait des tamponnages sur son tag, vous voyez. Elle a une découpe de elle a une perforatrice. Ah non, non, non. C'est une perforatrice poète. De coin là, comme ça aussi, mais qui fait plusieurs formes. Et alors, elle a mis un œillet, tout ça, c'est joliment fait. Hein. C'est joliment fait. Très, très bien. La petite pochette comme ça, ces petits papillons, tout mignon, mignon. Et là, on a une jolie feuille embossée à froid, avec des papillons. Hein. Un joli embossage avec des papillons et des fleurs, des feuillages. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est joli. Hein. Là, on passe l'encre dessus pour faire ressortir ce qu'on veut. On peut faire plusieurs encres, c'est joli. Faire un petit peu... J'aime bien avoir vos feuilles embossées comme ça à froid parce qu'on fait je fais des patouilles dessus où je fais ressortir le relief avec le... Je fais rien d'innovant, hein, pas du tout, hein, mais c'est joli quoi. Et c'est joli de poser plusieurs couleurs quand il y a des fleurs, des papillons, des feuillages et tout ça. Donc ta petite feuille, elle est jolie. J'aime beaucoup le principe là. La double carte comme ça. Hop, hop, j'adore. Très, très jolie ta carte. Très, très sympatoche. Ça inspire pour faire des cartes. Hein. Ça fait vraiment mettre des photos. C'est super sympa. Super sympa. J'adore. Donc, t'as compris, quoi. Et alors, mais t'es folle. Hein. Oh, c'est joli, ça. Hein. Oh, oh là 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 là. C'est trop bien. Mais oh, c'est beau, ça. Hein. Oh, oh, c'est trop bien. Oh, tu sais, quand je serai chez moi... Quand j'aurai changé de maison, je me demande si je le mettrai pas chez moi, ça, avec un... Je ferai un panneau moi-même, bien sûr. Hein, et je mettrai les trucs comme ça, par ici, par là, dans mon musée du scrap. Et, hein, je l'aurai un jour. Et voilà, c'est tous dans la même direction. Là, là. Ah non, parce que je me disais, c'est bizarre. Ouais. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas dans le... Hop là. C'est trop bien. Hein. Oh là là, j'adore. J'ai le droit de les mettre de travers si je veux. Hein, je fais ce que je veux. J'adore le chat, il est trop beau. Le petit lapin.
Oh, c'est trop super sympa. Trop super. Mais t'es folle. Oh là là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, hop là. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Non, je sais pas. Ça, c'est une jolie pochette qu'elle a fait avec un velcro dans des tons mauve et blanc, dans mes couleurs, avec des découpes de papillons, des découpes de... C'est joli, hein. Très jolie découpe de marguerite, comme ça. C'est très beau. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, elle a fait des ATC. Oh, là, 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 là. C'est très bien, hein. Elle a pris le papier collection de... Ouais, thème Alice au Pays des Merveilles, Lapinou. Petit, petit, tout mignon. Et elle m'a fait toute une série d'ATC, hein. Le 3 sur 6. Le 5 sur 6. Je peux peut-être en partager, hein. J'en partagerai avec les copines. 2 sur 6. Parce que je sais qu'il y a des fans de... Moi, j'adore, hein, Alice au Pays des Merveilles, hein. J'adore, j'adore. Et il y a des fans, hein, dans notre groupe d'Alice au Pays des Merveilles, hein. Le petit lapin, le 4 sur 6. Il y a une série de 6, quoi. Et Lapinou, 6 sur 6. Ah si, hein, je garde... Mais j'ai le droit de garder ceux que je préfère, hein. Non, mais dites donc. Mais si, hein, je garderai 3. Une Alice, un lapin. Le petit lapin, le petit lapin, le petit lapin. Et puis, je garderai une de chaque. Un lapin et une Alice. Et je distribuerai les autres, hein. Si, hein, ben c'est normal, il faut partager. Il faut partager, il faut partager. Alors donc j'en enverrai à deux. J'en garde 2 quand même pour moi. J'ai une 3, non mais dites donc. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as reçu en... Ah, tu l'as reçu en cadeau? C'est vrai ça? J'espère que c'est vrai, hein. Ouh lolo, mais quelle chance! Mais elle a trop la chance! Mais t'es folle, hein. Commandé 1, reçu 2. Mais c'est génial, hein. Non, c'est de la chance, ça. Oh, j'adore. Oh, la chance. Oh, je suis trop contente. Hein. Oh, c'est trop génial. Hein. C'est un super beau cadeau. Hein. Oh, wow. Oh là là. Oh là là. Je les partagerai. Je l'ai préparé, je ferai une belle planche et puis je le partagerai. Hein, je partagerai avec les copines parce qu'il y a vraiment des fans. Hein, il y a vraiment des fans. Et puis Alice au Pays des Merveilles, c'est toujours sympatoche. Ah, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'ils disent là? Timbre en caoutchouc, oui, pour les décorations très définies, préformées, modulaires, à appliquer à base par timbre de plexi. Ouais, bah c'est bien. Hein. Normalement, qu'est-ce qu'ils disent là? Ouais, durable, facile à nettoyer, idéal pour décoration. Hmm, ouais, impeccable. Je suis trop contente, hein, c'est super sympa. J'ai hâte de les essayer. Hein. Je ferai une planche et je vous partagerai. Ouais, je suis un peu en admiration, hein, pardonnez-moi, c'est vrai, je prends. Mais je suis quand même très fan et ça me fait énormément plaisir. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Hein. Je te remercie du fond du cœur. Alors, il y avait le SM 110 et le PTP 104. Hein, PTP 104. Voilà. Hop. Donc, je le mets là pour l'instant. Je te remercie du fond du cœur. Ça me touche. C'est vraiment... tu m'as trop gâté, quoi. C'est vraiment super génial. Ça, c'est vraiment... Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ça me... Toujours à chaque fois, ça me... Ouh là 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 là. C'est ça. Alors... On continue. Là, c'est Yveline. Yveline. Yveline, pas Evelyne. Hein. Yveline, avec un Y. Donc, eh bien, j'ai caché là avec... ça, c'était collé devant. Je l'ai décollé pour le mettre caché derrière ton adresse à toi. Et il y a une autre bande comme ça. Là, il y a les marguerites et il y a une autre bande avec des cœurs. Alors, attendez. Il y a une autre bande avec des cœurs et une autre bande avec des papillons. Voilà, il y a mes 3 symboles avec des jolies bandes. Elle avait joliment décoré son enveloppe, Yveline. Donc, c'est toujours gentil, c'est toujours plein d'attention et tout ça, ça me fait trop plaisir. Alors, comment je vais ouvrir cette affaire? Je ne sais pas. Parce que j'ai toujours peur d'abîmer, comme je ne sais pas ce qu'il y a dedans, bah, faire attention. Peut-être c'est un chachache, non? Je sais pas, non, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je ne sais pas. Je
C'est quoi tout ça? Oh, j'ai peur. Je suis pas bien. Non, je suis pas bien, je vous assure. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça encore? Alors, est-ce que tout est bien? Oui. Alors, voilà. Alors, attendez, par contre, je vais. Elle est où l'enveloppe à. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, non, c'était un carton. Alors, attendez. Je suis obligée. Non, je suis obligée. Hein. Non, si, je suis obligée. Je vais remettre ça là. C'est pour les adresses, machin, tout ça. Et puis, bien tout ranger comme il faut. Hop, 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 hop. Voilà, je remets ça comme ça pour le moment. Ça fait mon droit de ranger correctement quand même. Si. C'est mon droit. C'est mon droit. Alors, ça, je le mets là. C'est pour savoir qui est à quoi. Ça, ça va là. Et alors, ça n'a plus besoin. Et alors, qu'est-ce que c'est que tout ça encore? J'ai peur, hein. Comment je m'organise? Oh, voilà tout ce qu'il y a. Non, mais t'es folle. Oh, là. Oh, c'était tout mignon, les claquettes. Oh, non, c'était tout mignon, hein. Oh, non, c'était trop mignon. Oh, les petites claquettes pour aller en vacances. Ça, c'est des PTP. Si, c'est des PTP, hein. Et puis, des petits papillons. Oh, c'était tout mignon. Ils sont jolis, ces petits machins, là. Oh, pour faire une petite carte vacances, c'est super sympa. Pourquoi je pense à ça là? Je pense à un truc, mais je ne me rappelle plus, dites donc. Non, je voulais faire quelque chose. Je ne sais plus, mais ça me reviendra. Me reviendra. Je finirai par un jour par écrire tout ce que je voudrais faire sur un cahier, hein, avec tous les cahiers que vous m'avez offert. Des petites colombes. Hein. Oh, j'adore. Donnez-nous 1000... Non, donnez-nous 5 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Oh, c'est trop gentil. J'adore. Mignon, oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, ça, c'est sur le thème. Ah, bah tiens, suis tes rêves. Tiens, ça aussi, ça va bien avec Wonderful et tout ça. Ça va bien aussi avec Alice au pays des merveilles. Hein. Si, suis tes rêves, machin, et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hein. C'est, hein, c'est bien ça. Moi, j'aime bien. Ça va bien avec hein. Wonderful. Ouais, c'est des jolis petits die-cut en 3D, hein, super. Enfin, des stickers 3D ou die-cut. Moi, j'appelle ça die-cut. On appelle ça comme on veut. Hein. À partager. Bien sûr, HHH 257. Elle est mignonne, hein, c'est gentil. Hein, à partager. Bah oui, bien évidemment que je partage. Je ne vais pas tout garder. Hein. T'inquiète. C'est trop gentil. Et là, c'est sur le thème. C'est pareil. Hein, c'est très vintage, très super sympa. Hein. Oh là, oh, tout ce qu'il y a. Ça, c'est bien sur les petits thèmes des petits des bébés, hein, les petites naissances. Regardez les coins-coins. Si, les coins-coins, t'étais tout mignon, hein. Voilà. Alors, c'est bien parce que derrière, elle a mis au moins son prénom et le numéro du HHH. Comme ça, au moins, je sais, vous savez qui, quand je mets dans des colis, vous savez, je mets des choses, hein, dans vos, quand je vous en fais des envois. Comme ça, vous savez. C'est pour ça que je vous dis de signer, hein. Comme ça, vous savez de qui ça vient, le cadeau. Vous pouvez remercier la personne, hein. Donc, elle m'a mis plein de petites choses là pour me faire des petites cartes de naissance. C'était tout mignon. Le petit cheval à bascule. Les petits coins-coins. J'aime bien les petits coins-coins. Moi, je suis assez fan des petits coins-coins. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ça, j'avoue que c'est un petit truc que j'aime bien. Le petit cheval à bascule, mais bleu. Hein. Il y a le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. C'était tout mignon. Et là, c'est congratulations, mémorisation, my love. Là aussi, sur le thème de l'amour. Hein. Super, super, ouais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça c'est une jolie, un joli die avec, on l'aime bien celui-là, le petit oiseau avec la petite branche et la petite plume, c'est super, hein. Oh là là. C'est adorable. Et qu'est-ce que c'est que tout ça encore? Oh là 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 là, c'est trop beau. J'adore. Mais vous êtes folle. Oh là, c'est trop beau. Ah, magnifique, magnifique. C'est, oh, je sais pas si regardez comme c'est beau. C'est une plaque, vous savez, c'est trop beau. Hein. Oh, c'est trop gentil. Hein. Oh, c'est trop gentil. Quelle belle attention. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Je vous dis même pas comment j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de pouvoir installer tout ça. J'ai trop hâte. Il en faut de la patience dans la vie, vous savez. Enfin, ça, vous le savez sûrement. Et alors, je te remercie du fond du cœur. C'est trop formidable. Hein. Oh, c'est trop bien. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça encore? Oh, c'était tout mignon. Regardez, petit chaton dans les petites bottes cirées. Oh, c'était trop charmant. J'adore. Tinamour. Oh, elle est jolie sa petite carte, hein.
Avec les pochettes comme ça sur le côté. Eh ben ça, c'était pas une carte que j'ai fait en tuto, ça? C'est, hein, j'ai fait une carte comme ça en tuto. Et une carte que je savais même pas ce que j'allais faire. Hein. J'ai fait n'importe quoi comme d'habitude. Hein. J'ai coupé, pouf pouf, on a collé, on a découpé. Puis ça y est, ça fait une jolie carte. Hein. Regardez comme c'était tout mignon. C'est joli ce que tu as fait. Hein. Oh! Et la marguerite, le papillon, le cœur. Et c'est trop beau. Hein. Ça va bien le bleu et rouge. De toute façon, toutes les couleurs. C'est quoi que tu as mis là dans tes folles? C'est une folle. Oh, c'est joli, hein? Ça, c'est pour faire des petites cartes avec une rose. C'est trop beau, hein? Elle est trop belle. J'ai hâte de l'essayer aussi. Hein. Tiens, on va peut-être les... on peut peut-être l'essayer maintenant. Hein. Bon, j'ai le droit, non, me dites donc. Je suis en train de m'étrangler. Si? Alors, ben, si, je vais l'essayer. Hein. Ça fait le droit. Hein. Je prends n'importe quoi, bien sûr. Hein. Je peux faire une carte comme ça et comme ça. Je fais ça et ça fait une petite carte tout nette. Hein. On fait ce qu'on veut, non, me dites donc. Je vais mettre dans ce sens-là, d'ailleurs. Je vais faire comme ça, je fais ce que je veux. Une petite cartounette. Admettons, vous avez une dimension de carte comme ça. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Là, je vais mettre ma découpe comme ceci, là, hein, au bord. Hein. Et alors, je vais passer ça, je vais mouliner, moulinon. Alors, est-ce que je vais peut-être mettre du papier à bulles en dessous? Non, mais je vais essayer comme ça. Normalement, ça devrait aller. Donnez-nous 5 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Elles ont intérêt à durer longtemps parce que 5, c'est pas beaucoup. Alors, pour ce faire, donnez-nous 5 colombes de mâles et 3 femelles pour qu'elles puissent se reproduire et faire d'autres petites colombes. Les paroles toutes pourries. J'ai le droit de faire des paroles toutes pourries. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais que ça allait rester, mais c'est n'importe quoi. Oh, c'est joli. Oh là là, c'est très très beau. Hein. Regardez ce que ça fait. C'est très très beau. Hein. Elle est très belle. Hein. Magnifique. J'adore. Ah, elle est trop belle. Et alors, j'essaye un truc. J'ai tout à fait le droit. Hein. Je fais tout ce que je veux de toute façon. Si je détourne comme ceci, je m'amuse à détourer, on peut faire ce qu'on veut. J'ai le droit de scraper hein, si j'ai envie de scraper. Bien sûr. C'est le courrier, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Hop, hop. Je montre si vous ne savez pas quoi faire de vos machins, de vos dailles. Admettons, vous savez pas. J'essaie de vous donner des idées. Bah si, hein. J'essaye. Hein. Donnez-nous 1 000 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Et puis vous mettez ça, hop, comme ceci. Hop. Voilà, vous faites ça. Attendez, je recoupe un tout petit peu mieux là. Je la détoure un petit peu mieux, hein, parce que j'ai envie que ce soit un petit peu mieux détouré là. Bon, je fais ça un peu à l'arrache. Et puis voilà, vous mettez une jolie rose comme ça. Si vous ne voulez pas la laisser sur une carte, vous la détourez comme ça, comme il faut. Et puis vous faites un petit vase. Un petit vase, vous inventez un vase. Vous faites un vase comme ça. Vous disiez que c'était un vase et puis qu'il était beau. Et puis vous dites qu'il est beau, hein. Non, mais dites donc. Hein. Hein, et puis vous mettez la rose dans le vase. Hein. Voilà, et puis vous êtes très content. Vous faites un bouquet de roses, hein, toujours en nombre impair. Hein. Vous faites un soliflore, hein, vous faites un soliflore comme ceci. Alors attendez, je ne sais pas faire les soliflores, mais moi je vais en inventer un comme ça vite fait, hein, pour longtemps à faire un soliflore, moi je vous le dis. Hein. Bon, non, il n'y en a pas pour longtemps. Vous faites ça, hein, un soliflore, pouf pouf. Il faut quand même qu'il y ait un pied, parce que bah, si, sinon il ne va pas tenir debout le machin. Alors je vais, comme ça, je vais les vaser un peu, hein, le machiner un peu là. On disait qu'il était très beau, mon soliflore. Quoi, je vous fais un tuto, soliflore. Allez, hop. Il ne va plus y avoir de soliflore bientôt. Regardez, il est beau, mon soliflore. Il est magnifique. Hein. Et alors, la rose, elle va dedans. Et regardez, hein, regardez, moi. Non, mais regardez, hein, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Hein. Ah, si, c'est très beau. Un petit nœud là, comme ça, puis ça y est, hein, vous avez une carte. Hein. Comme ça, regarde. Et puis, si vous voulez que la feuille elle passe par-dessus, ben, elle passe par-dessus. C'est votre choix. Vous coupez là. Hein. N'hésitez pas à transformer vos trucs. Hein. Vous faites ça, puis vous dites, parce que vous voulez que la feuille elle passe par-dessus. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je voulais faire, mais on disait que je savais ce que je voulais faire. Ça. Mais si, vous faites ça. Je sais pas ce que je voulais faire, j'en sais rien. Non, je ne sais pas. Là, admettons. Admettons, admettons. Voilà, comme ça. J'avais envie que la feuille elle tombe. J'ai le droit d'avoir une feuille qui tombe, hein. C'est ce qu'on veut. Voilà. Puis n'hésitez pas à tout transformer, vous voyez. C'est très joli, hein.
Tiens, regardez, il y a un trou là. Vous mettez ça dans le trou. Et voilà. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Regardez. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Voilà, ça me fera une carte, ça me fera un ATC. Je ne sais pas ce que ça fera, mais c'est très beau. Voilà, vous avez compris. Alors ensuite, très beau. Alors le die, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors attendez, il faut que je range. Alors pour... Vous voyez, il y a tous les bidules. Mais si, on fait ce qu'on veut. Eh bien, vous tapotez comme ça avec votre brosse à dents. Alors, usagée ou pas. Hein. Bon, elle est neuve. Mais vous pouvez prendre la vieille brosse à dents de grand-mère. Regardez. Hop, et ça y est, pouf, pouf. Hein. La brosse à dents, il n'y a rien de tel. Hein. C'est pas la peine d'acheter la brosse qui vaut je sais pas combien. Je sais pas combien ça coûte. Mais moi, on me l'a offert. C'est merveilleux. Formidable. Mais pour ceux... Parce que hein, tout a un coût. Hein. Eh bien, vous prenez votre brosse à dents. Puis ça y est, c'est pareil. Hein. Vous avez vu à la vitesse que ça va hein. Il y en a pour 2 secondes. Une belle brosse à dents. La couleur de vos rêves. Hein. Moi, c'était un lot. C'est un lot de chez Action, là, ou de je sais pas d'où. Hein. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du bleu, nina, nina, dar, la, dir, la, dada. Il y a du noir, il y a du rose, du vert, dar, la, dir, la, dada. Vous choisissez celle que vous voulez, dar, li, dar, li, dada. Et vous retirez tous les machins, tous les petits bouts de papier, vous avez compris. Alors, ensuite, ici, il y a plein de choses, hein. Ça fait plein de cadeaux. Oh, des petits napperons, si, des petits napperons, hein. Oh, des papillons, oh, c'est tout mignon. Mais voilà, j'ai le droit de regarder. Alors, bien. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est tout mignon. Si, c'est tout mignon. C'est plein de petits napperons. Et puis le... Oh, je l'adore, il est trop adorable. Hein. J'adore, c'est tout mignon. On aime les chatons et tout ça. C'est vrai, c'est mignon, hein, les chats. C'est adorable. Et tout plein de petits napperons, là. Tout mignon, mignon. Hop là. Dira 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 la dada, dira dira la dada, tira 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 tata dira. Et là, qu'est-ce qu'elle a mis? Si, elle a caché des choses, hein. J'avais dit ça fait une cachette. Et là, c'était des petits corsets hein, sur un cintre. Hein. C'est très sexy ça pour la couture. Ça, c'est super pour mettre sur un coin de carte. Hein. Mais ça, vous avez une carte là. Oh, vous mettez ça juste là, comme ça, en bordure. Et c'est très joli, hein. Très beau. Là, c'est pareil, hein, vous faites une... C'est des marguerites en plus, hein. Si, c'est marguerite. Ah, vous mettez ça comme ça, là, ça fait très beau. Hein. Et alors, si vous trouvez que c'est trop court, eh bien, vous mettez la carte à votre... à la taille de ça, hein. Ben, je ne sais pas pourquoi, c'est des dimensions, vous voyez. Eh bien, moi, je mets... moi, ce que je fais, moi, c'est... je fais ça, puis je taille la carte à la dimension de ça. Après, on peut s'en servir en belly band comme ça. Mais moi, j'aime bien faire des bordures comme ça de page. Ou alors, des bordures comme ça, là. Hein, des bordures de dentelle quand on fait des albums et tout ça. Pas que ce soit trop fragile, mais là, là, c'est pas fragile. Celui-là, il est bien. Il est bien. Et donc, elle m'en a fait 2 et tout ça. Bah, je te remercie du fond du cœur. Hein. Bon, c'est pareil, je partagerai. Hein. Je partage. Hein. Hop là. J'aime beaucoup cette carte. Je ne sais pas où tu as eu le tuto, mais alors franchement, c'est une très belle carte. Et ça, c'est des grands dailles. J'aime bien faire des petits trucs comme ça, moi. Et donc, elle m'a fait quoi? C'est quoi? Ah, il y a un petit mot. C'est un petit mot. Si, j'ai un petit mot. J'ai le droit. Hein. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. C'était tout mignon. Alors, pour avoir un binôme... Hein. Alors, parce que je ne fais plus... Ben, ça fait longtemps maintenant... ça fait longtemps que je ne fais plus de tirage au sort. Pourquoi je ne fais plus de tirage au sort? Avant, je m'amusais à faire ça. Je trouvais que c'était drôle, moi. Je trouvais que c'était drôle de faire des binômes comme ça, en surprise, voilà. Et puis, en fait, j'ai arrêté parce que y avait plein de scrappeurs du cœur qui cherchaient leur binôme et il y en avait qui ne voulaient pas... parce qu'ils pouvaient pas, pas parce qu'ils voulaient pas, je veux pas, non, mais parce qu'ils peuvent pas, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a plein de raisons qui fait que... Et j'avais l'impression d'imposer aux gens quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, ben non, t'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Mais ce que je voulais pas que créer des conflits entre personnes, enfin des conflits. C'est pas vraiment des conflits, mais vous savez, il y a des gens qui n'osent pas dire non ou... Il y a des gens qui n'osent pas, qui sont timides. Il y a tout. Et des fois, j'ai l'impression que tout le monde est comme moi. Sauf que non, tout le monde n'est pas comme moi. C'est ce que je veux dire.
Et c'est ça mon gros défaut, c'est que je pense que tout le monde est comme moi et machin, et bon, qui dit ce qu'il pense, qui machin, qui. Et c'est bon, et tout le monde n'est pas comme moi, et donc du coup, j'imposais quelque chose qui. Ben, ça se fait pas, quoi, d'imposer des choses sous prétexte qu'on pense que les gens, ils sont comme nous, vous voyez? Donc du coup, je ne tire plus au sort de binôme. Je vais toujours la victime du mois, parce que la victime du mois, c'est différent, elle n'a rien à faire. Bah, rien à faire, si elle veut pas recevoir de choses, de gentilles choses, bah, elle a juste à pas donner son adresse. Et si et elle ne surtout elle ne répond pas aux gens parce qu'elle pourrait pas s'en sortir. Donc ça c'est différent la victime du mois. Donc ça je le ferai toujours, voilà. Mais par contre les binômes c'est en fait si vous voulez un binôme et eh bien c'est simple, il y a des binômes, hein. On a le premier c'était vraiment formidable. Ça s'est vraiment bien passé et tout ça. Puis après, j'ai voulu en faire des nouveaux parce qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient. Et puis, je sais pas, ça s'est mal goupillé. Ah si, il faut dire ce qui est, ça c'est pas fait comme. Et je me suis dit, bah, faut laisser les choses se faire. Donc, quand on veut un binôme, tout simplement, on passe une annonce sur Facebook, sur les fesses du bouc. Hein. Bah si, il y avait la face de bouc, et maintenant il y a les fesses de bouc. Ah bah si. Alors donc, vous mettez une annonce sur les fesses de bouc, et alors, cherche binôme, désespérément, ou désespérément pas, hein. Ah si. Vous cherchez un binôme, et il y a toujours, toujours, toujours des gens qui sont toujours prêts à échanger avec vous, et tout ça, machin. Il y a plein de charmantes personnes qui demandent que ça, et tout ça, d'échanger, et tout ça. Donc, eh ben, il faut faire ça, il faut passer une annonce sur le compte des scrappeurs du cœur. Cherche binôme, voilà, je suis prête à échanger, je suis prête à aimer. Vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Et puis comme ça, eh bien, vous échangez, vous échangez. Je vais. Si, ben, attendez, parce que je discute là, mais je vais faire ma petite. J'ai le droit de faire mon petit tag, là, j'ai le droit, hein, de finir mon petit tag que j'ai commencé. J'ai tout à fait le droit. Je vais le faire, de toute façon, je vais le faire. Voilà. Parce que en fait, je vois que c'est là et que je me suis cassé le tronc à faire un soliflore et ça serait quand même très dommage qu'ils finissent comme ça. J'ai fait le droit de faire ma petite carte tranquille, peinard. Hein, non mais dites donc. Voilà, hop. Là, je passe dans le trou qui est là. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Toc. Ensuite, je fais ce que je veux de toute façon. Et puis là, je vais. Donc, vous faites comme ça, puis vous dites que vous êtes. Je fais ça parce que c'est le courrier du cœur. Et au courrier du cœur, on fait qu'est-ce qu'on veut. On dit qu'est-ce qu'on veut. Regardez, c'était très joli. Hein, c'est très joli. Et donc, on fait ça. Là, on coupe. Hein, on coupe. Hein, aussi, on coupe. Hein. Voilà, je coupe là, ici, là, à peu près. Hein. Voilà, hop, ça y est. Hein. C'est coupé droit, toujours. Hein, regardez, c'était tout mignon. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, après, on met un truc, hein, je sais pas. Hein. Là, je vais mettre un œillet, un truc, un bidule, on fait ça. Hein, voilà. J'aurais plus qu'à le finaliser. Hein, il est joli, hein, puis, très joli. En 3 secondes, on a une carte, hein, on a un truc. Hein, on a un marque-page, par exemple, un marque-page. Vous avez compris? Si. Je te remercie infiniment, c'était tout gentil, gentil, c'était tout mignon. Hein. Donc, tu as compris pour le. Bah, si, tu as compris. Ah, alors, comme d'habitude, donc, tu es dans le groupe déjà? Je sais pas ce qui est dans le groupe, qui n'est pas. C'est pas. Mais si tu n'es pas, eh bien, tout simplement, tu m'envoies un mail et je t'envoie le lien. Enfin, tu as compris, hein, le système, c'est toujours le même pour tout le monde. Il n'y a pas de changement. Voilà. C'est très joli, ça, c'est merveilleux. Hein. Et maintenant, j'ai peur. Si, il pèse une tonne, j'ai très peur. Hein. Donc, il est combien? Il est 43. Je sais pas ce qu'elle m'a mis dedans, hein, Isabelle. Hein. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle. Ah, 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 ah. Je sais pas ce qu'elle m'envoie. Hein. C'est une folle. Hein. Il y a marqué fragile. Et maintenant, toi, que vais-je faire? Alors attendez, je remets ça. Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, je fais mon petit ménage. Ça, je mettrai dans les comment. Vous avez compris, je ferai un. Oh, je vais y arriver, oui. Je ferai des partages. Hein. Je vous enverrai des trucs, des machins, des bidules. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hop, hop, hop. Je mets tout ça là-dedans. Alors là-dedans, 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 là-dedans. Hop là. Je mets dedans et hop. Et je ferai des partages. On te remercie, t'es trop mignonne, trop mignonne. Hein. Allez. Allez, donc, Isabelle.
C'est quoi ça? Ah, tu fais des box? Tu commandes des box de laine? My box, tricot facile. C'est des kits, non? Ils t'envoient tout ce qu'il faut et puis tu fabriques ton bonnet, ton t-shirt, ton pull. Je crois que c'est comme ça. Moi, je commandais les box. J'ai à peu près essayé des trucs. Ah ouais, moi, c'était les box beauté, là. Mais comme je fais... vous avez vu comme je prends soin de moi, n'est-ce pas? J'ai arrêté parce que j'avais des milliers de produits. Milliers, c'est peut-être un peu exagéré. Mais j'avais des produits de beauté, des crèmes, des machins, des crèmes pour ci, des crèmes pour ça, des fonds de teint, des récils, des vernis à ongles, des rouges à lèvres, des gloss. J'en ai, vous verriez, j'ai un placard plein de maquillage. Je me suis dit, mais il faut que tu arrêtes, Angie. Hein. Faut que tu arrêtes de commander cette box parce qu'en fait, tu te sers de rien. Hein. Bah, disons que le temps qu'on use, parce que bon... je peux mettre une tonne de crème sur la tronche parce que le mois d'après, j'ai un autre truc qui arrive. Hein. C'est vrai que c'est pas cher, mais on accumule ça. Enfin, moi, j'avais fait, parce que j'ai pas fait qu'une, hein, j'ai fait la Beauty Box. Et la Beauty Box, et puis l'autre, c'était comment? Birchbox. Et c'était pas cher, c'était 13 balles, 13,90 € ou un truc comme ça, la boîte. Hein. Mais franchement, faut voir. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à tout consommer. Hein. Puis vous recevez des trucs qui sont pas tellement, enfin, je veux dire, qui vous conviennent pas. Ils vous demandent vos trucs, votre style de cheveux, votre style de peau, machin, tout ça. Mais parfois, vous recevez des trucs quand même que, voilà quoi. Hein. Mais moi, j'aimais bien. Hein. C'était juste pour avoir le. Et puis vous avez un petit cadeau, tout ça. J'adorais. Et alors, Birchbox, c'était vraiment bien. Ouais, Birchbox, parce que ça a changé de nom en cours, parce que moi j'ai fait ça pendant des années, hein. J'aimais bien recevoir mon petit colis. Et alors, est-ce que je préférais, je vous raconte ma vie, j'ai le droit, c'est le courrier. Alors, ce que j'adorais, moi, c'est quand on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Et puis après, je pense que les gens, les femmes, elles ont réclamé, elles n'aimaient pas avoir des surprises. Et donc, du coup, ils ont changé leur méthode. Ils annonçaient ce qu'il y avait dans le colis. Et moi, c'est marrant, parce que ça, moi, ça m'a détaché du truc. Alors, on peut ne pas regarder. On peut ne pas regarder si on veut la surprise. Mais on reçoit des mails. On reçoit le mail, machin, gna gna gna, regardez, nanana. Choisissez la couleur de votre gloss parce que vous savez que vous allez avoir un gloss ou je sais pas quoi, n'importe quoi, un vernis à ongles, hein, en cadeau, je sais pas quoi. Ils vous demandent la couleur que vous voulez et tout ça. Et en même temps, vous voyez le reste, quoi. Donc, ouais. Alors, du coup, j'ai arrêté. Puis, j'ai accumulé des produits. Ils sont périmés, les machins. Je fais du patouille avec moi. Je fais des sketchs avec. C'est ça. Donc, voilà, quoi. Et alors l'autre beauty box, là, alors là, par contre, c'est des produits taille réelle. Enfin, taille réelle. Vraiment des grands produits. Et alors, c'est pareil. Hein. J'ai arrêté parce que c'était un peu plus cher. Hein. Et alors, c'est un budget aussi. Hein, parce que je mettais ça dans... Non, mais... Hein, vous avez compris, quoi. Vous en foutez, ma vie. Et alors, ils font plein de box comme ça. Les box pour la bouffe. Hein. Les box pour plein de trucs, hein. Les fringues aussi. Ça, j'ai jamais fait, moi. Non, non, non. Ouh là là, non, 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 non. Oh, j'ai un style particulier tout à fait à moi. Enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aime bien le principe des box quand c'est une surprise. Ouais. J'ai fait une fois aussi Inès de la Fressange. Je l'ai fait une fois ou deux. C'est marrant, ça coûtait une blinde, mais je voulais savoir ce qu'il y avait dans le truc Inès de la Fressange. Et alors, j'ai reçu une montre une fois que j'ai jamais mis, bleu, blanc, rouge. Elle est très belle, hein, elle est très belle, mais vous voyez, je mets pas l'heure, moi. Je regarde jamais l'heure, parce que si je regarde l'heure, ça me fout le cafard. Si ça me fout le cafard, regardez l'heure, ça me fout le cafard. Je veux pas le savoir quelle heure il est. Donc, j'ai une superbe montre que j'ai jamais mis. J'ai reçu un bracelet une fois, c'est pareil, un bracelet, mais alors pour l'attacher, c'est juste la taille, hein, parce que bon, bah, je suis quand même pas mince, vous voyez. J'ai reçu une fois un porte-monnaie aussi, enfin des trucs, voilà quoi. Une ceinture aussi, une ceinture une fois. Hein. Une ceinture, elle est bien, la ceinture elle est bien par contre, hein. Vous en foutez. J'ai arrêté aussi, hein. Non, tout ça c'est des budgets, mais j'aime bien le principe des box, vous avez compris quoi. C'est... Donc là, c'est un box, mais faut tricoter. Alors moi, je tricote des pulls pour mes nounours, mais il y a longtemps, quoi. Point mousse, point de riz, et puis point jersey, puis ça y est, c'est tout ce que je sais faire. Et puis une écharpe, un bonnet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon,
Alors donc apparemment elle tricote. Si elle tricote, elle tricote. Alors tout ça pour dire que... tout ça pour dire au bout de je sais pas combien de temps... Oh, oh non, tout ce qu'il y a... Mais t'as folle. J'espère qu'ils sont pas fondus, hein, parce que j'ai été très déçue. C'est ça. Oh, mais non. Mais si, elle l'a fait, hein. Heureusement que j'ai pas laissé traîner le colis, hein. Mais il fait pas trop trop chaud matin et soir, hein. Non. Bon, il va pas faire long feu ton Mr. Mint, hein, ton je sais pas quoi, ton Royal Mint, hein. C'est vachement bon ça. C'est vachement bon, hein. Ah, si. Alors ça c'est très bien, hein. c'est très bien. T'as vu, je suis assortie, hein. Si, je suis assortie, c'est vert, couleur de l'espoir. T'es folle, hein. Mais pourquoi? Tiens, regarde, t'as vu, regarde, c'était fait pour, regarde. Si, c'était fait pour, hein. Si. Tout est, de toute façon, tout est prévu, hein. Tout est prévu. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une folle, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai peur, hein. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est très beau. Ah, c'est bien, ça. La découpe, là, on dirait... Oh, c'est trop beau, hein. Oh, c'est trop joli. Alors, hop, là, elle m'a fait une petite carte. Regardez comme c'est joli. Avec un papier or. Elle a un die, là, qui est... Ouais, c'est un die qui fait des... Et alors, avec ce papier-là, ça rend trop, trop bien. Ouais, ouais, c'est bien. J'adore. Super, super. La petite enveloppe comme ça, en découpe or, avec les feuillages qui sortent dedans et tout, c'est trop beau. Ah, il y a un petit tag derrière. Un petit tag tout mignon, mignon, hein, très vintage, avec des piafs. Hein. Si, c'est des piafs, hein, c'est des oiseaux. Regardez, si, c'est des petits oiseaux, hein, c'était tout mignon. Hein. Hop là, je vais lire mon petit mot. Hein. Oh là, c'était tout mignon, oh, c'était tout mignon. Oh, c'était un petit PTP. Oh, il est trop mignon, c'est chou. Oh, ah, attendez, j'ai lu mon mot. Hein. Oh, mais t'es folle. Ah, oh, tu. Oh. C'est trop mignon, c'est gentil ça. Ah ben on verra. On verra si je vais durer dans le temps. C'est ça. Ah ben ça, moi non plus, je sais pas ce qu'il me réserve, mais enfin bon, on verra bien. Oh, c'est gentil ce que tu dis. Oh, elle est trop mignonne, hein. C'est trop trop gentil. Ça me touche, hein. Oh, c'est trop gentil. Je vais mettre. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est un PTP, ça. Ouh, le titi tout mignon. Oh, c'est un petit PTP tout mignon, mignon. Ouh, titi tout mignon. Regardez. Oh, il est choupinou. Si, il est choupinou, hein. On peut le retirer? Non, mais j'ai le droit, hein, d'essayer. Je vais t'arracher le pied. Mais j'ai le droit, hein. Oh, elle dessine trop bien en plus. Oh, regardez, t'étais trop mignon. Il y a mes symboles, le cœur, les papillons. Oh, puis il y a les petits détails et tout. Hein. Regardez-moi ça, c'est trop charmant. Hein. La petite coccinelle qui porte bonheur. Hein. Elle a des pieds magnifiques. Hein. Mais t'as pas mis de vernis aux ongles. C'est dommage quand même en claquettes. Hein. C'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est trop mignon. Hein. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Alors, j'ai le droit de mettre un petit numéro. Alors, PTP. Oh non, non. Alors, pour ce faire, PTP. PTP, PTP 105. J'espère que tu es contente. Si tu dis que tu es contente, hein, non, mais je vais écrire derrière. Alors, ça va écrire avec mon... J'aurais dû... Attends, je vais prendre un stylo blanc. J'ai le droit de prendre un stylo blanc, hein, quand même. Alors, stylo, signe blanc. Hop là, 105. Je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi avant. Si, j'ai des stylos qui écrivent sur le noir. 105. J'espère que tu es contente. Hein. Il est magnifique ton PTP, je l'adore. Alors je vais te pendre avec... Ben, enfin non, je ne te pends pas, pardon. Hein. Non. Non, tu iras dans le carton avec les autres. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est quoi ça? Ouh, c'était tout mignon. Oh, oh, c'est bien ça. Elle m'a tout fait. Hein. Elle m'a tout fait, là. Elle m'a fait un kit. Alors, c'est bien parce que c'est une petite taille, si, petit slip. Mais il est beau, hein. Alors, donc, pour ce faire, bougez pas, je vais filer son matricule. Hein. Alors, il me faut un petit stylo noir parce qu'il faut que ce soit assorti. Donc, pour ce faire, regardez, la petite carte avec son slip, son SM, son OE et son T2L. Alors... Tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ça, c'est bien. C'est vrai. C'est trop bien. Hein. Je ne sais pas où elle a eu ces trucs, mais c'est trop mignon. Oh, c'est trop bien. Trop, trop bien. Alors, pour ce faire, SM. Attends, je crois que je me plante. SM 111. C'est 111. C'est facile à retenir. Hein. 111. Ensuite,
Ensuite, donc PTP 105. Oé, matelot. Oé 52. 52. Alors, 52. Et T2L 15. Voilà. Hop là. 15. Mince. J'écris quand même. J'écris mal. Je ne sais pas écrire. Oh, c'est vrai. Regardez. Bon, alors, tu as noté. Tu es donc le. Je répète une dernière fois. Une dernière fois. Hein. PTP 105. SM 111. OE 52. Et T2L 15. Voilà. C'est trop bien fait. Hein? On adore. J'aime bien le petit string là, il est trop mignon. Hein. C'est, il est trop mignon. Hein. Est-ce qu'il est propre au moins? J'aime bien regarder, moi j'ai le droit. Hein. Il y a un petit nœud derrière. Oui, c'est tout mignon. Il y a un petit nœud derrière, le petit détail qui tue. Hein. Et c'est trop charmant. Et alors la serviette, j'adore. J'adore la serviette. D'ailleurs, ça va avec le papier. Hein. Alors je te remets tout ça là. Ah, je te pendrai. Bah si, hein. Je te pendrai beaucoup plus tard. Hein. Bah si. C'est pas grave. Hein. Ça viendra, chaque chose en son temps, paraît-il. Donc voilà, voilà. Très heureuse. Hein. Oh là là, je suis très très heureuse. Hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un peu de découpe. Oh là là. Oh, tout ce qu'il y a, mais t'es folle. Hein. Tu te sens bien quand même. Oh, alors, des petites découpes. Hein. Il y a un peu de tout. Ah, je ne vous montre pas tout. Hein. Alors là, Zobie la mouche. Hein. Non, je ne vous montre pas. Hein. Il y a des trucs de livres. Hein. Des découpes de livres, des découpes de fleurs, des découpes de plumes. C'est joli, hein, j'adore. Là, il y a tout. Hein. Des smiles, des machins, des étoiles. Tiens, je vais m'en servir hier. Si je les avais eues, je les aurais mis sur ma carte cinéma. Si, hein? Je l'aurais mis, hein. Si, je les aurais mis, hein. Ça aurait bien été avec, hein. Elles arrivent trop tard, hein. Si, elles arrivent trop tard, Isabelle, hein. Isabelle, t'arrives trop tard. J'en referai une, hein, c'est pas grave. Oh non, et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est des amoureux, non? Ah non, c'est des bébés? Non, c'est quoi? C'est des mariés? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quoi? Je vous montre pas tout, hein. Non, je montre pas tout. Ah, oh, c'est des mariés. Oh, ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques. Hein. C'est un couple qui fait rêver. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Hein. Il lui met la main au panier quand même, je trouve. Hein. Si, il la met. Ah, si. Ou il la porte, non, je ne sais pas. Ils sont pas encore. Ou là, ils sont déjà mariés. Là, ça y est, c'est fait. Hein. Je sais pas, je sais pas. Parce que là, tout de suite la main. Ah, si, tout de suite la main au cul. Hein. Il y a rien à faire. Hein. Regardez, elle est belle aussi celle-ci. Hein. Elle a des magnifiques cheveux. Hein. Si. Et alors, oh, c'est très beau. Hein. On a... Oh, c'est beau ça. Oh, ils sont beaux les signes en or. Hein. En or, hein. Si. Si, c'est un signe. Fais-moi un signe. Si, fais-moi un signe. Hein. Donc, non, mais je regarde pas tout. Hein. Non, non, non. Et celle-là, là, si je regarde, j'ai le droit. Hein. Non, mais dites donc. Je regarde où il met sa main. Hein. S'il la porte. Hein. Si, hein. C'est très joli. Ils sont très beaux tes couples d'amoureux. Hein. Faire des coupes, des photos, des photos. Oh, je dis n'importe quoi. Hein. Oh, ça change pas trop, mais des cartes de mariage. Hein, c'est la saison. C'est la saison. J'aime bien quand je dis ça. Un magnifique tag. Regardez-moi ça, ce tag. Comme il est sublime. Très vintage. Très shabby. Très couture. Très très beau. Très magnifique. Hein, très beau. Un peu de découpe. Alors, ça, je le jette. Si j'ai jeté le. Si j'ai fait ça. Alors, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Oh, j'ai peur. Hein. C'est quoi? C'est un mug. J'ai une collection de mugs que vous m'avez offert aussi. Si, hein. C'est un mug, ça. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, elle est bien enveloppée. Oh, mais t'es folle! Bon, je vais pas m'en servir. Hein. C'est... Alors non, hein. Ça ira sur mon stand de Frida Kahlo. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, je regarde mes films. Oh, c'est, il est trop beau. Alors, c'est écrit en espagnol, bien sûr. Hein. Miss Penas, pour apprendre de rien. Alors, c'est la citation, c'est Sugar, Miss Penas, pour apprendre d'un rien. Mais j'ai pas le, je connais pas ce mot-là, Sugar, là. À Hogar. Ah non, à Hogar. Oh là là. À Hogar. Mais. Mes peines. Je sais que c'est un truc de. J'apprends de mes peines. Ou un truc comme ça. Je chercherai. Je chercherai. C'est elle, non, il faut que je sache maintenant. Non, parce que là, elle parle de ses peines. Elle apprend de rien, quoi. Pour apprendre de rien, il faut savoir... on regarde. Mais si je regarde, j'ai besoin de savoir.
Ah oui, c'est ça. Alors donc, parce que j'ai cherché la traduction, parce que je voulais savoir exactement ce que ça voulait dire. Et elle dit là, j'ai essayé de noyer mes peines, mais ils ont appris à nager. C'est joli, hein? Ouais. Je te remercie infiniment. Ça me touche, ça me donne des frissons. Je sais pas si vous pouvez voir mes frissons. Si, j'ai des frissons, hein? Ça me fout des frissons, hein? C'est trop mal. Je suis pas prête de boire dedans, je te dis. C'est vrai, je vais pas boire dedans. Hein. Ah non. Pas tout de suite en tout cas. Non, non. Il faudrait vraiment que je n'ai plus qu'elle pour. Si. Faudrait que je n'ai plus qu'elle pour boire dedans. Hein. C'est ça. Non, non, je ne boirai pas dedans. Hein. Que dalle. Non, je ne boirai pas dedans. Pour toi, il y a marqué. Pour toi, pour toi, pour toi. Pourquoi ce silence? Pour toi. Ouais, je sais, c'est pourquoi, mais j'ai le droit de dire pour toi. Hein. Non, mais dis donc. Alors, pour toi. Pas l'ami, pas l'ami, pas la fille, pas l'ami, pas l'ami. C'est quoi ça? Oh, Titi, tout mignon! Oh, c'est trop charmant, j'adore! Oh, c'est trop gentil! Oh, ils sont trop mignons! C'est des petites chouettes! Oh, Titi, trop mignon! Oh, ils sont trop choux, hein! Je te souhaite un très joyeux anniversaire, tu es trop. Cool. Oh, oui, parce que cool, ça va en anglais. Oh, c'était tout mignon. Allez, souffle tes bougies. Oh, c'est trop charmant. Oh, j'ai hâte de les essayer. Oh, ils sont trop adorables. Avec des petites marguerites. Il y a une toute petite marguerite là. Toute mignonne, toute mignonne, là et là. Oh, ils sont charmants. Oh, les yeux. Oh, ils sont adorables. Oh, c'est gentil, c'est trop gentil. J'adore. Mais t'es. Oh, ils sont trop mignons. Je sais pas si vous pouvez bien les voir, mais regardez-moi ça comme ils sont choux. Si, hein? Je ferai une planche, hein? C'est pareil, je ferai une planche, hein? Je ferai une planche pour les partager, hein? Bon, pas tout de suite, mais je ferai, hein? Je suis pas encore. Hein? Je ferai, je le ferai, je le ferai, c'est promis, hein? Si, si. Ouh là 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 là! Bon, là, j'aurai pas le temps parce que. Non, il faut quand même que j'avance, hein? Je suis à 1 heure et quelques. Mais vous êtes pas. Non, non, non. C'est quoi ça? Oh, c'était tout mignon! Oh, c'est trop charmant! Ça, ouais, si, je, si, ça sera pour les clés de ma nouvelle maison. Les clés. Oh, c'était trop mignon! Si, je sais pas du combien ça chausse, hein. Oh, regardez, violette, c'est la classe, hein. Si, c'est trop la classe, c'était tout mignon! C'est toi qui l'as fait? En plus, c'est elle qui l'a fait, j'en suis sûre, hein. Si, je suis sûre. C'est elle qui l'a fait, hein. Ça, c'est elle qui l'a fait, j'en suis sûre et certaine. Regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. On dirait des. Oh, c'est trop joli, hein. Waouh! Oh, c'est trop charmant. Oh, c'est trop, mais t'es folle. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai peur, hein. Non, j'ai peur. Hein. Oh, c'est pour les scrapidous. Non, mais attendez, je passe. C'est pour les enfants. C'est tout mignon. C'est pour les enfants, ça, c'est des petites licornes. Regardez, c'est des petits trucs licornes tout mignon, mignon. Mais il y en a plein, il y en a pour tout le monde, hein. C'est super. Hein. Il y en a plein, hein. Je vais pouvoir en donner à plein de monde. Et ça, oh. C'est des coin-coin, ça. Si? Ah, mais c'est des petits poussins, c'est des petits caniméros, hein. Si, c'est des petits caniméros, hein. C'est des petits caliméros. Il n'y a même pas besoin de colle à marquer. Non, il n'y a pas besoin de colle a priori. C'est chouette ça. Comment ça marche? Ah, ça fait peut-être scratch un peu, non? Je sais pas. Bon, ils se débrouilleront. Hein. Ouais. C'est ça. Les enfants, ils sont plus doués. Hein. Attendez, non, mais je sais pas. C'est parce que ça a emballé. Et puis, je sais pas, j'ai peur. Non, j'ai peur d'ouvrir. C'est joli. Oh, c'est beau ça. Hein. Oh, c'est trop beau. Hein. C'est un ATH. Hein. Ah oui, la TH, c'est. Oh, je me rappelle jamais qui c'est. Non, chaque fois, chaque fois, chaque fois. C'est de qui? C'est colle tout partout? Non, je sais plus. Non, je sais plus. Je vais me faire lyncher, je sais jamais qui c'est. Oh, il est trop beau ton ATH. Il est trop magnifique! Avec les marguerites, les papillons, les petits strass mauves là. C'est trop joli. Le petit œillet jaune, trop beau. Oh, je l'adore ton ATH. Il est trop joli. Trop, trop jolie. Elle est du 27 mars. Elle a une fille et deux petits-enfants. C'est trop, trop joli.
Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ATH, hein. J'en avais fait une vidéo et tout ça pour. J'en ai déjà fait plusieurs, mais il y a longtemps. Hein. Oula! Et là, oh, c'est joli ça aussi. Oh, c'est trop mignon la petite Marguerite. Il lui offre une petite Marguerite. Oh, regardez, regardez la petite Marguerite. Il lui offre une petite Marguerite. Il est mignon. Hein. Ça, c'est un gentil garçon. Hein. Si, il était tout adorable. Les petits cœurs, les papillons, la Marguerite. Il y a tous mes symboles. C'est trop joli. Hein. La patouille, elle est belle. Hein. C'est une patouille que tu as faite à la. C'est fusion, ça, non? C'est des fusions, non? Je sais pas, ça fait des taches ou nettes. Il y a du serviettage? Je sais pas. On dirait du serviettage très fin, là. Et puis des pigments, ouais, de la fusion, quoi. Des poudres fusion. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais. Et ça, c'est un, c'est quoi? Ah oui, c'est un ABC. J'avais même pas fait gaffe que. Parce qu'un ABC, c'est 8 sur 20. 8 sur 20. Il est trop mignon. J'adore le principe de la petite Marguerite là. C'est trop mignon. On adore. Petit ABC. J'ai du boulot, hein, j'ai du pain sur la planche là. Hein. Si, il faut que je fasse un ABC, un ATH. Oh, mais t'es folle. C'est du pied de poule. Hein. Tissu pied de poule. Ça fait vachement longtemps que j'ai pas vu de pied de poule. Hein. Je fais bien la poule, ouais, je sais. Oh, il est trop magnifique. Mais c'est trop magnifique. C'est magnifique. Oh, je sais pas, vous avez vos trucs, hein. Il est trop beau, hein. Trop, trop joli. Hein. Ah, c'est joli, pied de poule comme ça. Magnifique, mais c'était. Oh, bon, vous avez compris, quoi. Je sais plus où donner de la tête, moi. Je sais plus. Non, je ne sais plus, je ne sais plus, hein. Mais enfin, je suis un peu, hein, si, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh là là, oh là, là. J'ai toujours pas déballé, t'as vu? Non, je ne sais pas. Bon, c'est un peu de la folie, mais je sais plus. Hein. C'est une plaque embossée, oh, c'est joli ça aussi. Hein. Mais dis donc, c'est l'embossage que j'ai vu. On vient de le voir, ça, c'est pas le même. Ça me dit quelque chose, ça, la plaque d'embossage que j'ai vue tout à l'heure. Hein. C'est toi? Non, c'est pas toi pourtant, si. Mais n'importe quoi, c'était pas toi. Hein, on vient de la voir, cette plaque-là. Je vous ai dit qu'on peut faire des multicolores dessus et tout ça. Bah si, il me semble que c'est celle-là. C'est rigolo, ça. Bah, non, ça venait pas de toi, non. Hein, il me semble, hein, ça vient de comment elle s'appelle? Bah, c'est incroyable, ça. C'est la même. Mais c'est super, hein? Elle est très très jolie cette plaque à embosser, hein, pas froid. Les marguerites, les papillons, c'est très joli, hein? Très très joli. Je te remercie du fond du cœur, c'est adorable. Adorable. C'est trop trop joli, hein? Et ce que j'aime bien, moi, c'est mettre les couleurs. Vous voyez, là, on sait qu'il y a de l'herbe. On sait qu'il y a de l'herbe, hein? Eh bien, vous mettez vos couleurs. Ben, vous savez faire ça, hein, de toute façon. Mais vous mettez des couleurs d'encre sur la plaque, là. Ensuite, vous mettez votre papier, hein, et ensuite, eh bien, et comme ça ressort coloré. C'est un style, ça fait super joli. Moi, je ferai ça, je vais tester comme ça, là. Enfin, je vais tester. Moi, je vais le faire comme ça, quoi. Je vais tester. Je sais ce que ça fait, hein, puisque c'est pour les copinettes. Eh bien, ça, c'est pour les copinettes. Eh bien, c'est gentil de penser à moi pour partager, pour envoyer. Que c'est vrai, j'essaie d'envoyer à tout le monde. Hein. J'essaye. J'ai encore beaucoup d'envois à faire. Hein, pensez pas que je vous oublie, hein. Bon, de toute façon, vous commencez à me connaître maintenant. J'en vois dès que je peux, dès que j'ai du temps et tout ça. Donc je te remercie, c'est super gentil de m'aider, quoi. Et là, ça elle a fait ça avec. C'est joli, hein. Regardez les danseurs là. C'est des danseurs, ça. Hein. Ils dansent le tango, hein. C'est tango. Avec la plaque, elle a fait un pot, elle a utilisé un pochoir avec les ronds là, c'est très très joli. Et là, celle-ci, oh, c'est joli ça aussi, hein. C'est très joli le chat sur les livres là, c'est bien fait ce que tu as fait, c'est bien. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est adorable, hein. Le chat qui est posé sur les livres là, on adore. Hein. On adore, on adore, on adore. Hein. Alors si vous recevez des cartes, t'as signé? C'est bien. C'est bien. Il y a mis des termes, ça m'aide pour vous envoyer des choses, pour faire des partages.
Et Wally Wadou, t'étais tout mignon, tout mignon, mignon. Hop là. J'en ai encore fait partir d'ailleurs, là, des envois. Et j'ai pas mis de suivi dessus, là. Ben non. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller à la poste et tout ça, mais. Donc je fais ce que je peux. Qu'est-ce que c'est, ça? Luna passe. Ah, c'est de la pâte. C'est de la pâte quoi? Ah, attendez, j'arrive pas à lire. C'est de la pâte. Ah oui, ah oui, alors ça c'est. Ça c'est. Tiens. Alors justement. Ça c'est de la pâte. Justement, pour par exemple, la pâte, pour faire ressortir l'embossage, là. Vous passez un tout petit peu de. Alors, je sais pas. Ah non, j'en ai pas. Je l'ai rangé. Zut! Zut, zut, je vous aurais montré. Vous mettez un petit peu sur le bout du doigt ou sur un pinceau, mais. Ou sur un. Le mieux, c'est un rouleau. C'est un rouleau, c'est ça là. Parce que en fait, bon, moi j'utilise ça. Je vous montre ce que j'utilise pour poser de ça. Le petit rouleau en mousse, c'est bien, sauf que la mousse, ça absorbe un peu trop la matière et c'est dommage. Par contre, si vous utilisez un brayeur, vous savez, je vous ai déjà montré. Il est où mon petit brayeur? Oh zut. Bah, pour celles qui me suivent, elles savent, je ne l'ai pas rangé, c'est impossible. Non, c'est impossible. J'en mets un petit peu sur le brayeur et je passe délicatement sur mon embossage à froid. Et ça ressort, ça fait trop magnifique. Hein. Voilà comment j'utilise les. Je ne sais pas pourquoi je sens l'odeur, hein, j'en sais rien. Mais ça va mieux qu'avec le, ben les doigts, avec les doigts et tout ça, c'est bien aussi quand on veut. Bon, moi je m'en sers comme ça, mais je m'en sers comme ça souvent. Je te remercie. Elle est une couleur qui est super jolie, hein, ça pète. Hein. Et c'est quoi tout, non, tout ce qu'il y a? Oh là là, je sais. Non mais je suis combien de minutes? Oh non. Moi je vais ouvrir ce cadeau là. Ouais. Je me disais aussi, il pèse 1 tonne le colis. Ah bah tu m'étonnes. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli, mais c'est joli, c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Regardez un petit album Chabi, enfin un petit album, j'en sais rien, juste ça. Regardez comme c'est beau. C'est joli. Ouais, j'adore, 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 j'adore ce style. C'est trop, trop joli. Et là, c'est un petit album enveloppe, ça, hein? Moi, j'aime bien ça, hein? C'est toujours réussi, ça. Regardez comme c'est joli. Ouh, c'est trop joli. Trop bien réussi, hein. Hein? Non, je vais. Il y en a une. Oui, une carte. Hop là! C'est super beau les découpes qu'elle a fait là. Elle a fait des découpes. Vous savez, ou alors c'est son enveloppe qui était comme ça, mais je pense qu'elle a fait une découpe comme ça un peu pour pouvoir y insérer sa jolie carte là. Pour y mettre une photo ou pas, hein. Enfin, moi je. Mais c'est comme ça, mais oh, c'est trop beau, trop trop beau, trop trop joli. J'espère que vous voyez bien. Regardez comme il est magnifique son album, il est trop joli. Et les tags, ils sont sublimes, sublimes, sublimes. Elle a collé plusieurs épaisseurs, ce qui veut dire qu'il y a une. Je pense qu'il y a plusieurs épaisseurs de coller dessus. Dire qu'ils sont super costauds quoi, ils sont, c'est trop joli, trop trop joli. C'est joli les petits détails des papillons là et tout ça, les petits papillons tout mignons, c'est des stickers, ils sont beaux et hein. C'est trop trop beau, trop trop joli. Oh, c'est magnifique ce que tu as fait, c'est trop beau, mais c'est beau, mais c'est beau. Et là, je regarde les images. J'ose pas tirer, j'ai toujours peur d'abîmer quelque chose. Regardez comme il est beau son papier de collection. Il est sublime, hein. C'est Chabi, c'est trop trop beau. Les petits strass, les petits. Il est beau ton strass rose là. Et là un autre, hein, la fine pochette pour y mettre un tag dans les tombeaux avec des petits stickers comme ça, tout joli aussi. Hein. C'est trop trop beau. Et hop, je le tourne. Magnifique, magnifique, magnifique. Une petite tag là, comme ça. Tout est bien. Une petite violette. Hein. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour. Ça, c'est du lilas. Hein. On disait que c'était du lilas. Non, c'est pas du lilas, mais c'est pas grave. On dit que c'est du lilas. Si, ça me fait plaisir. C'est des. Ça a un nom. Ça dit. Oui, enfin, c'est des fleurs, quoi. Si, c'est des fleurs. Ouh, le muguet. Ouh, c'est joli.
Il y en a partout, hein. Je sais plus où, vraiment, je sais plus où il doit être de la tête. Il y a des pochettes partout. Hein. J'aime bien cette image-là avec le muguet. Regardez comme elle est belle. Hein. Elle est belle. Trop, trop joli. Il est très, très joli, ton petit album. Adorable, adorable, adorable. Alors, je le replie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je cherche. Hein. Oh, je me suis pas trompée, t'as vu? Je suis douée. Hein. C'est ça. Oh, c'est joli. Trop, trop joli. Très, très bon. Je vais bien le remballer comme il faut. Hop là. Pour ne pas l'abîmer. Magnifique, magnifique. Oh là là. Alors, attendez. Je vais sortir. Pourquoi je vais sortir? C'est pour remettre dedans au fur et à mesure. Si, bah, je fais ça. C'est quoi tout ça? Oh là, tout ce qu'il y a là-dedans. C'est des mi-cadeaux. Si, c'est des mi-cadeaux. On peut hein, faire des mi-cadeaux, des jeux de mi-cadeaux avec les gosses. Si, il faut leur faire... Vous faites ça avec des... Je pense là, parce que ça m'y fait penser grave, ça, pour les vacances. Vous leur faites des mi-cadeaux, hein. Vous leur faites des bâtonnets de comment? De brochettes, là, les brochettes. Et puis vous leur faites colorier des trucs hein, avec des feutres à alcool, là, ou je sais pas quoi, des peintures. Et puis après, ils jouent au mi-cadeau, puis ils sont contents, hein. Moi j'aimais bien jouer au Mikado hein. Ah j'adorais ça moi. C'est des jeux qui coûtent pas bien cher. Mais maintenant ils veulent plus jouer à ça les enfants. Ils veulent des jeux vidéo, des machins, des trucs. Enfin je sais pas, ils veulent des trottinettes électriques tout bastringue, non. Je sais pas, je suis complètement dépassée moi. Je suis complètement dépassée. Quand je leur offre un truc ils doivent se dire c'est nul ce qu'elle m'offre. C'est nul ce qu'elle m'offre, si ça se trouve. Bah ben, si, c'est quand on n'est pas dans le coup, on n'est pas dans le coup, hein. Que tu voulais que je vous dise, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. Hop, hein. Je remets comme ça, c'est pour pouvoir... Hop là, voilà, oulala. Comme ça, voilà, comme ça, je suis sûre que c'est... Alors, on m'a mis des capsules altérées, enfin, des capsules hein, que je pourrais décorer. Et ça, c'est super, j'ai une boîte... J'en ai plein à faire, en plus, ça tombe très bien. Je te remercie, j'aime beaucoup, ça fait des jolis embellissements, j'adore. Et là, des jolis die cuts sur le thème des cactus. Hein. Dans la vie, il y a des cactus. Hein. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Ouais, oui, oui, oui. Ah, des chats, des chats, des chats, des chats, des chats. Des papillons, des chats. La position, j'aime bien les pattes écartées devant. Genre, j'ai chaud, j'en peux plus. J'ai chaud, j'en peux plus. Ou genre, je vais faire le con, je vais te sauter dessus. Ouais, c'est pas pareil. Si, c'est pas pareil. Hein. Ils sont très beaux. On partagera, hein. On partagera, évidemment. Hein. Je vais partager, vous inquiétez pas. Pas aujourd'hui. Oh, c'était tout mignon, ça. Hein. Mais c'est des petits éléphants d'amour, d'amour. Hein. Oh, mais ils me font penser à ceux-là, mais c'est pas les mêmes. Hein. Non, c'est pas les... Ah, si. Oh, mais c'est, regardez, c'était tout mignon. Oh. Oh, mais c'est trop, hein, ça. Je les aime beaucoup, ces petits éléphants, si. Ben, je l'ai pas... Vous voyez, j'ai déjà pris le coucou, hein. Alors, si... elle m'a remis le coucou, ça va. On est bien, on est bien, on est bien, Tintin, nous l'a sauvé. Je remettrai les planches en partage. Hein, je les mets là. Je les partagerai. Oh, c'est beau, ça, c'est vintage, hein, c'est très beau, hein. Tiens, pour faire... C'est du Stamperia, ça, hein. C'est pour faire... comment elle s'appelle? Lady... pas Lady Gaga, mais Lady... Lady machin, si. Lady truc. Si, Lady truc, hein. Ah, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se mêlent dans l'écouteur. Allô? Oui, c'est monsieur de la dernière fois? Ah, ben je crois qu'elle est dans son bain, elle va pas pouvoir venir. Hein. Oh, dis-lui. T'en apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oui, je suis très bien à l'école. Me dis, tu la connais, toi, ma maman? Ah ben, moi, elle m'a jamais parlé de toi. Hein. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se mêlent dans l'écouteur où le téléphone pleure. Non, ne raccroche pas, je suis si près de toi, avec la voix. Oh, mais, nanana, mais elle est partie.
Si elle est partie, alors tant pis. Donc là, elle m'a mis des jolis papiers, des papiers déco, hyper vintage, ils sont sublimes, hein, avec des notes de musique. Hein. Ils sont super jolis, super jolis, super jolis. Magnifique, je te remercie. Mais c'est trop. Hein. Je ne sais plus. Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Là. Oh, des jolis, elle les a tamponnés en couleur, des derrières d'ATC. Hein, c'est pareil, je les mettrai en partage, ils sont faits en couleur, ça change un peu. Hein, c'est joli. Et ça, c'est des sentiments français. Hein. Joyeux anniversaire, merci beaucoup, passe une belle journée, tu es juste incroyable, mille bravos, juste pour te dire, souris. Ça te va si bien, fais avec amour, tous mes vœux de bonheur, prends bien soin de toi, t'es génial, t'es super, tu m'as l'air sincère, merci pour tout. Il y a des trucs que je viens d'inventer. Hein. C'est... merci pour tout, je pense à toi, tralala, c'est choubidoubidou, wap wap. Regardez, ça aussi c'est très beau. Hein. C'est très très joli. Hein. Très très joli. Hein. Oh là, mais t'es folle. Moi je sais. Oh là 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 là, les dix vagabonds. Mais t'es folle. Oh là. Oh, c'est, ils sont magnifiques. Hein. Oh, il y a des jolies feuilles. Oh, j'ai des jolis papiers. Mais t'es folle. J'adore celle-là. C'est trop beau. C'est une folle. Hein. Si, c'est une folle. Waouh, wow, c'est trop beau. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, wow. J'ai le droit de regarder. Oh, c'est trop magnifique. Hein. Oh, wow. Oh, c'est trop joli, trop joli, trop joli. Magnifique. Oh, oh là là. Oh, il y en a plein, mais tu es complètement ravagée. Ravagée. Va dire ouais, je lui fais des cadeaux, il me dit que je suis ravagée. Ben si, tu es ravagée d'amour, mais tu es ravagée quand même. Hein. Regardez comme il est beau celui-là. Des petits pinsons, on disait que c'était un pinson. Hein. Ben si, c'est un pinson, il mange des mûres ou des artichauts. Des petits artichauts, ça, si. Si, c'est des artichauts, c'est bien connu. Hein. N'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi, hein, je vous le dis. Oh, ça, c'est de la couture. Ben ça va bien, ça, dans mon machin couture. Mon machin couture. Des chocolats. Des chocolats et cacao. Hein. Si. Chaud cacao, chaud 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 chocolat. Oh la Provence, j'adore. Tiens, en ce moment ils ont les. Ah, vous avez vu les. Ah, c'est pareil ça. Ouais. Moi, il y a des trucs qui m'énervent comme ça parce que ça m'énerve parce que les gens. Alors c'est sûr, c'est très beau les champs de lavande, machin, tout ça. Alors les gens ils veulent faire des photos, je comprends. Hein. Mais ils savent pas faire quelque chose sans respecter. Ils peuvent pas faire attention. Hein. Alors ils arrachent les trucs de lavande, ils les écrabouillent. Non, mais parce qu'ils n'ont pas assez d'être au milieu des allées, il faut qu'ils soient sur la lavande, hein, bien sûr. Si, bah si, c'est parce qu'il pue du cul, alors il pue du cul, il pue. Et alors ils se mettent carrément sur les lavandes. Hein. Oh, mais c'est pas possible de voir ça. Hein. Moi, ça me rend malade. Hein. Je sais pas. On peut faire les choses en respectant, hein, c'est pas le problème. Hein. Enfin bref, la donneuse de leçons. Si, la donneuse de leçons. Mais c'est parce qu'ils nous montrent ça, moi ça m'énerve. Et ça, c'est un. Mais t'es folle. Oh là là. Je m'en achète jamais ça parce que c'est. Si, hein. C'est trop beau, hein. Oh, mais t'es folle, hein. Enfin, je vais faire un bel album, hein. Ah, si, hein. Oh, mais t'es folle. Hein. J'adore. Elle est belle, hein. Elle est belle, Lady Vagabond, hein. Si, elle est très belle, hein. J'adore le chat, vous avez vu. Il est trop mignon. Oh, c'est trop beau, hein. Oh, waouh. Mais, oh, regardez-moi ça, si elle est pas belle. Elle est magnifique, hein, Lady. Hein. Trop, trop jolie. J'adore, 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 j'adore. Mais t'es folle. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. C'est trop joli. Oh. Ça va faire des ATC, hein. Parce que là, c'est la page de... Si, je vais faire 6 ATC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. C'est trop beau. Hein. T'es trop gentil. Enfin, oh là là, je ne sais pas. Life is life. La 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 la. La 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 la. Si, c'est marqué life. Life is life. Na, 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 na. Oh, elle est belle cette image-là. Hmm.
Africa, j'ai besoin de danser dans tes bras. Tu les mènes à ta loi. Africa. C'était comment que ça fait Oh, c'était tout mignon ça. Oh, il est joli cette page. Oh, c'était tout mignon. Il est adorable le petit marin. Si. Bateau sur l'eau, hein. Bateau sur l'eau. C'est ça. C'était comment que ça s'appelle la chanson là. Iseo Santiano. On ira jusqu'à San Francisco. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo, Iseo Santiano. Dani, dani. Toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et 10. J'ai le droit d'inventer des paroles toutes pourries. Et là, oh non, mais ça va pas. Hein. Les petits decks tout découpé sur le thème de la couture. Oh, c'est joli, mais t'es folle. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau, hein. C'est du beau papier, hein. C'est du très très beau papier. Hein. Ça c'est du au moins plus de 200 grammes, hein. Non? Il est très épais, hein. C'est super. Hein. Ça, ça fait des beaux albums, hein. Des très très beaux albums. Hein. Et nous avons des petites choses pour les scrapidous et les scrapidous. Je vais peut-être en profiter pour... Bah, je vais mettre tout ça en partage. Là. Alors, attendez, je vous montre ce qu'il y a pour tous les enfants. Hop là. Oh, il va falloir que je prépare les envois et tout ça. Si, j'ai un peu de travail hein, quand même. Hein. Si. Et alors, plein... Alors, ça, c'est pour les garçons. Bah si, tiens, par exemple, Noé. Hein. Noé. Hein. Je ne sais pas ce qu'il aime. Quel âge il a, Noé? On ne sait pas. Hein, on sait pas. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Des petits stickers Hello Kitty. C'était tout mignon, Hello Kitty. Hein. Des petites licornes, du foot, des petites licornes toutes mignonnes, des sirènes, la petite sirène, voilà, Ariel, des petites princesses, hein. Nous avons des animaux, des oiseaux, des lions, des trucs, des zèbres, des lamas, des petits chiens. Est-ce qu'il y a un joy? Non, il n'y a pas de joy. Oui, oh, c'était tout mignon quand même. Oh, c'est quoi ça? C'est des stickers magiques. Je ne connais pas, mais les enfants, eux, ils connaissent. Hein. C'est des stickers magiques. Ah oui, d'accord. On découpe les stickers et on fait la forme en machine en bidule, quoi. Si on fait ça. Hein. Je connais pas, j'avais jamais vu. Non, bah, de toute façon, je connais rien. C'est ça. Ça, c'est des petits stickers. J'aime bien ça, les petits machins plastiques là qui font poète-poète. Enfin, ils font pas poète-poète, mais on disait qu'ils faisaient poète-poète. Et puis, c'est tout. Et puis là, c'est des animaux de la ferme. Hein. La poule, le mouton, le canard, le coin-coin. Hein. Si, c'est Donald Duck. Hein. Si, je l'ai reconnu. Coin-coin. Hein. Si, coin-coin. Et ça, c'est des coloriages. Hein. C'est une princesse. Hein. Elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques. Oh, c'est beau, ça. Ah, en fait, c'est quoi? Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Je connais rien. Non, je sais pas. Je connais rien. Mais regardez, elle est belle, l'image, là, en noir, là. C'est trop beau, hein. Je sais pas. Ouais, les enfants, ils savent. Hein. Moi, je sais pas comment ça marche. Hein. Non, je ne sais pas. Hein. Pas du tout. Mais c'est trop beau à regarder les coloriages. Pouf. Et là, quand on tourne, regardez-moi ça si c'est pas joli. Hein. C'est sublime. Hein. J'aime beaucoup ces images-là. Encadrées dans une chambre, ça doit faire super joli. Hein. Ouais, ça doit être trop beau. Moi, j'aime bien. Et là, celle-ci, c'est le danseur. Hein. C'est du patin à glace. Hein. Et là, elles sont trop belles. Hein. Les damoiselles. Et ça, c'est Mickey. Hein. Mickey, Donald et moi. Hein. Mickey, Donald et moi, tira tira tira, soin 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 soin, tagada soin soin, si. Ça c'est comment il s'appelle? Plutôt, hein. Si, c'est plutôt, hein. Voilà, c'est plutôt, plutôt, plus tard, on sait pas, hein. Mais c'est plutôt, hein. C'est plutôt que plus tard, quoi. Vous avez compris, quoi. Ça c'est Mickey, hein. Et ça c'est mon, bah ça c'est mon préféré, c'est mon Donald, hein. Moi je l'aime bien, Donald. J'aime bien les coins-coins, hein. Et puis voilà, voilà. Et donc, on fera du partage. On aime partager, on aime la gentillesse, on aime, vous êtes des amours. Je sais pas, alors attendez, je remets comme ça, parce que c'est un peu doux.
Je sais pas quoi dire à chaque fois, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je ne sais pas. Donc je vais partager tout ça, toute cette chose là. Les petits. Alors celui-là, les deux. Hein. Bon, je mettrai tout sur. Je vais essayer de faire une même page. J'ai ça, j'ai des sentiments. J'ai les dos d'ATC, j'ai la petite là qui est revenue là, avec la petite. J'aime bien celui-là, mais vous me l'aviez mis. J'avais ça, j'avais aussi tous ces sentiments. Je vais tout mettre, tout ça là. Tout, je vais tout mettre. Vous avez compris quoi. Hein. Il est mignon lui aussi, hein. Il était tout mignon aussi, c'était tout mignon pour faire des petits ça. Je vais mettre tout ça en partage, d'accord, sous cette vidéo là. Et puis voilà, ce sera déjà bien pour aujourd'hui, ça sera déjà bien. Je vous remercie, je suis toujours très touchée, vous êtes, je suis trop gâtée, ça c'est sûr. C'est comme d'habitude, je ne sais pas quoi dire, mais merci en tout cas pour tous ces partages, tous ces cadeaux, tous ces moments agréables qu'on passe. Enfin, moi, en tout cas, moi je passe. Hein, et j'espère vous transmettre mon bonheur, mon plaisir et mes émotions, etc. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Hein, donc, vous avez compris, hein, sous la vidéo, je mets ce partage-là, des petits sentiments tout mignon. Des jolis tamponnages qui sont super sympas. J'aime bien ceux-là aussi. Là, je les trouve super sympas. C'est original. Ça change. Ça change. Enfin, il y a tout. Les petits éléphants, on les adore. Hein. Et alors, c'est marrant ça. Hein. Vous êtes copine, non? Vous êtes voisine, non? Je ne sais pas. Hein. C'est pareil, la plaque d'embossage, là. Il me semble que... Hein? Enfin, merci. D'accord? Et tiens, voilà. Merci. On se terminera là-dessus. Hein. Voilà. Toute la planche, là. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Hein, demain, peut-être si j'ai le temps, je ferai un tuto carte rentrée des classes. J'ai le droit, hein, me dites donc. Hein, voilà. Petite carte rentrée des classes, toute mignonne. Hein, facile. Pour rentrer, quoi, vous avez compris. Passez une belle soirée et surtout prenez soin de vous. À bientôt.